Prépare-toi, j'arrive. Eh ben, ça en fait des trucs à trouver. La capture à la fin. Là je suis où, je suis là. Autant aller faire ça comme ça s'en débarrasser. Il m'appelait sa créature et je me prêtais au jeu. Il louait mon appétit mais l'appelait passion. Nous ne faisions qu'un. À présent, je vis dans le noir au confins de son empire. J'explore la toile du destin. J'assiste en silence à l'expansion de son pouvoir, à sa domination éternelle. Il est temps que j'entre dans la lumière. J'arrivais pas à deviner ce que c'était. Une araignée est toujours à l'affût. À l'affût de quoi? À l'affût de ton cul. Je pense qu'il fait presque nuit alors que les elfes apprécient le là, je viendrai de terminer le boulot seulement. Et les cristaux de cet artefact luisent doucement, même dans une pièce plongée dans le noir. J'en sais quelque chose, car il m'arrivait souvent de m'introduire dans la grande salle pour lire à la lumière des cristaux, alors que tout le monde me croyait sagement endormi. Ça. Le cristal le plus pur, originaire des recoins sauvages du Mordor. Je m'étonne que les orques. Incline-toi ! Je m'étonne que les orques. Cesse de bouger !
Non, pas envie. Ah. Ouais, c'est ce qu'on attend entre eux. Hein. Nice. Ensuite, on peut aller faire ça, puis on ira faire ça. On verra qui gagnera entre ces deux-là. Moi. Coucou. Là, tu es carrément passé devant, il m'a pas vu. J'ai choisi la forme d'une araignée car je voulais arpenter la toile du destin, en tisser les fils. Le Seigneur des Ténèbres a choisi une autre voie, une carapace d'acier sombre et froid. Il est devenu une machine, un homme creux. Depuis le début, Sauron a été conçu pour la guerre. Alors, c'est à nous de le détruire. Nous devrions rentrer à Minas Ithil. Un combat ne se remporte pas uniquement sur le front. Baranor, vous ne pouvez pas être à court d'orques dans la ville. Il en reste quelques-uns, mais nous en chassons un en particulier. Le dernier garde du corps du chef de guerre qui mène le siège. Je
crois que nous cherchons le même orc. Et pour atteindre le chef de guerre, il faut tuer ses gardes du corps. Vous semblez avoir de l'expérience dans ce domaine. Suffisamment. Je vous suis. Toujours pareil. Orc fait ci, orc fait ça, et ben... Rejoins tes frères dans la mort. Quelqu'un a tué l'assassin. Tu parles du globe à la dague bizarre qui fait tout le monde pour être... Ça, c'est pour Mina Sithil. Salutations du Condor. Je déteste les araignées. Pauvre petit Boros. Tout va bien, vous serez bientôt mort. Marco. Roi des bêtes. Peur des araignées. Voilà. Je plains presque le chef de guerre qu'on traque. Il va se sentir seul sans ses gardes du corps. Il ne tardera pas à les rejoindre. Et l'autre, ils sont derrière. Là. Que Baranor cherche n'en est qu'un parmi tant d'autres. Il... Ils iront à attaquer Mina Sithil. Alors notre objectif est clair. Il faut tous les tuer. Et nous aurons besoin de l'aide des Gondoriens pour ça.
La vache. Un mal à l'œil d'un coup. Qu'est-ce que c'était? Moi aussi j'en ai en réserve pour toi, rôdeur! Tu ne m'échapperas pas! Le voici! Je te tuerai! J'allais me diriger vers les renseignements, mais. Il y a des caragors là où il y a les renseignements, c'est un peu mort. Celui-là, le Dark l'a senti passer. Ah, tu m'étonnes. En même temps, il le mérite. Ouf. Les orques ont une réputation de brutalité bien ancrée. Ça, c'est mais pour les plus courageux. Et une cruauté bien adaptée à la guerre. De même, si leurs armes peuvent sembler barbares, il ne faut pas s'y tromper. Elles sont efficaces. Un bon coup à la tête peut fendre un crâne. Que ce soit à l'aide d'acier gondorien ou de ferraille orque. Vu la gueule que ça a, tu m'étonnes. On dirait la masse de Molag Bal. Cette masse est bien plus ancienne que celle qu'on trouve. On pourrait faire tomber ses avant-postes. On reviendra ici, je pense, à un moment. Nous devons être prudents, Talion. Il est de retour. Soumets-toi. Limite. Je sens quelque chose. Non. Un contrat. C'est reparti, bande de globes. Ouais, encore comme ça. Je sens quelque chose. Thank you.
Je serais méfiant envers l'araignée à ta place. Elle ne te montre que ce qu'elle veut. Alors dis-moi ce que tu veux voir. Mina Sithil toujours debout. Oh, mais quel altruisme. Rien de plus? La dernière vision était troublante, n'est-ce pas? Je veux savoir ce que vont me faire les Nazgûl. Prends garde à ce que tu demandes, Rôdeur. Avec la prophétie, vient le tourment. On prendra la ville à l'aube! Soumets-toi à ton destin. Je sais ce qui t'effraie, Talion. Redevenir le maître de la mort. Vu la lumière verte, Ia, ça ne peut être que ça. Le roi sorcier. C'est le pouvoir de domination. L'anneau peut asservir l'esprit des hommes. Que peut-on faire? Il faut faire des sacrifices. Il y aura des pertes. Mais... n'oublions pas notre objectif, quoi qu'il puisse en coûter. Nous pouvons sauver des vies. Si le chef de guerre de ma vision est celui que traquent Baranor et ses hommes, ils auront besoin d'aide. Un chef de guerre n'y changera rien. Pour l'instant, ce chef de guerre est la plus grande menace pour Mina Sithil. Je refuse de rester les bras croisés pendant que Baranor et ses hommes risquent leur vie pour le tuer. Baranor, je veux aider. Car ce chef de guerre ne se laissera pas faire. Nous en avons déjà vaincu, Rôdeur. Je n'ai rien contre une lame. Son tout doudou. Alors nous l'éliminerons ensemble. Je commence par les archers. Envoyez vos hommes quand la voie sera libre. Travaillons seuls. J'espère que ces archers gondoriens visent bien. Sinon, nous esquiverons des flèches alliées. Ce sont des soldats aguerris. Ils sauront quoi faire. Trois archers gondoriens. Vraiment, seulement trois. Il paraît qu'il faut mouiller la pierre à aiguiser quand on a fait la ça la rend plus tranchante. Moi j'aime bien que quelque chose vienne bouger. Quelqu'un l'a tué?
quelqu'un qui rôde dans le coin ? Ce ne sont pas leurs terres. C'était le dernier archer. Maintenant, trouvons un point de vue. Ça faisait longtemps que je trouve un autre capitaine rassemblé sans qu'il s'entretue. Ouais, le chef de guerre a réussi à les persuader qu'ensemble, ils pourraient tuer plus de vermine et s'emparer de la vie. Signe aux hommes de Baranor. Ah, le doux parfum de la peur humaine. C'est un vrai délice. Ensemble, on va écraser leurs défenses et les réduire en miettes. Ensemble, nous, les capitaines et chefs de guerre réunis, on remportera la victoire. Ensemble, on prendra la cité à l'aube. Faites-les brûler! Pour le Condor! Maintenant, c'est le moment de frapper. Tu dois être l'idiot qui a tué mes gardes du corps. Tu ne fais que retarder l'inévitable. Le sang des pourceaux d'humains coulera bientôt à flot dans mon gosier. Ouais. Je boirai le tien en premier. J'en peux plus d'attendre! À mort le Tark! Ah ah, le con! Il a tué son chef! Disons qu'on est quitte. Une bonne chasse. Le chef de guerre n'a pas dû aimer. Ni ses archers. Vous reviendrez chasser? Oui, avec grand plaisir. Alors, Talion, a-t-on changé quelque chose? Certaines choses nous échappent. Rendons visite à Arachné. Si j'accepte de retourner là-bas, c'est seulement pour mon anneau. Assez ! Tout ça dépasse ton anneau de malheur ! Ou toi ! Ces visions pourraient nous sauver la vie à tous ! Gna gna, on m'a pris mon jouet. Attention, Talion, tu lui fais trop confiance. Je ne peux pas ignorer ce qu'elle m'a montré.
Oh, je peux améliorer. 37. C'est ça. Je veux mon anneau, sinon je boute dans mon coin. Arachné peut révéler la faiblesse de Sauron. Nous avons besoin d'elle. Mais à quel prix ? J'aime bien les ténèbres, mais j'en parle pas à longueur de journée. Qu'est-ce que c'était ? C'est moi ! Bon. Dernière bouchée de cette. Et je suis bon. Wow. Ça, c'est le problème de l'avoir déplacé, quoi. Donner l'impression que c'était de par là-bas. Okay. Rat attack. Attendez! Message de Ryan, mais pas de Kuzoko. Toujours pas Kuzoko. Ryan qui se fout de ma gueule parce qu'en fait, faut savoir que l'ombre du Mordor, le jeu là... Attendez, je peux vous le montrer. Normalement, on le voit en allant... On va voir le produit. Non. Enfin bref, sur le PlayStation Store, l'ombre de la guerre, il est dans les trucs à promotion. Marquez carrément le nom. Ombre du Mordor, pardon, pas ombre de la guerre. Ah.
Vous mettre L apostrophe. Je l'ai vu en promo tout à l'heure, qu'on me fasse pas croire que... Je l'ai vu en promotion de tout à l'heure. J'ai même la photo. Donc je l'ai en photo. Hein. Il peut pas avoir disparu. Il était dans les jeux comme ça, là. Je vais vous le montrer carrément à l'image, alors. Parce que... On voit pas bien. Focus qui veut pas se faire. Ouais, vous voyez là en bas, c'est barré, promotion, tout ça. Pour ceux qui connaissent bien PlayStation, ça se voit. Sauf que c'est en PlayStation Hit. Le truc, il est à 3,99 balles. Quand j'ai voulu le prendre sur PS4 l'autre fois, il était à ce prix-là. La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, il était à 50 balles. Pas un truc PlayStation Hit ou... Parce que c'est dans PlayStation Hit. Enfin bref, voilà. Donc, j'ai joué à la version sur PC, là où je ne peux pas collectionner les trophées. Alors que j'aurais pu faire les trophées sur PlayStation. Après, bon, faut savoir que... Ah merde, j'ai parlé du jeu. Faut savoir que le jeu sur PC, je ne l'ai pas acheté cher non plus, hein. Je l'ai acheté à 2€. Il y avait les promos Steam. Donc bon. Mais j'aurais aimé l'avoir aussi sur Play parce que je suis un collectionneur de trophées, même si j'en ai pas l'air. J'aime bien faire venir au maximum les jeux que je fais. Hein. C'est pour ça que j'ai platiné God of War, j'ai platiné Spider-Man. Même si je le fais pour moi-même, je le fais quoi. Bref, c'était la grosse parenthèse entre réparation et... Je vois le rôdeur. Et à promotion. Et tout ça pour dire que je n'ai toujours pas... d'infos de Kuzoko. S'il n'y a pas de chasse ce soir, je pense qu'on va commencer le monotype challenge avec le type psy. Ah, désolé les gars. Promotion canapé. Ah, ça au château il y a dû en avoir. Hein.
Bonjour. Eh, monte! Pitié, tu m'auras jamais mis. Oh là là! Tes commandes! Des fois j'ai l'impression de toujours être sur le 1 quoi. Oguat. Il est pas mort lui? C'était peut-être son frère. Qu'est-ce que c'est? Arachné peut nous aider à affaiblir les forces de Sauron. Elle a le don d'utiliser la vérité pour tisser ses mensonges. Qu'on a passé sur le jeu. Et j'en suis qu'à là. Je viens en voir plus. Plus. Je sais. Si tu peux voir la fin de Sauron, révèle sa faiblesse pour que nous puissions le battre. Ta vision est fragmentaire. Je ne demande pas mieux que de le voir agoniser. Demander grâce à mes pieds. Mais mon regard suit le destin de la Terre du Milieu. Alors rends-nous ce que tu m'as volé, et je pourrai te livrer Sauron, enchaîné. Pourquoi ferais-je cela, créateur? Sauron et toi ne faites qu'un. C'est ce que tu cherches? Caprice et devinette? Elle n'est pas notre alliée. Certainement pas la tienne. Approche, Talion. Vois par mes yeux. Ah putain. Je viens de me souvenir comment ça finit, j'avais oublié, mais ouais. L'heure des fêtes vient de l'intérieur. S'il abriterait un traître. Mais qui? On va commencer à être très serré dans sa tête là. Ah, qu'est-ce que le soleil? Ses visions ne mentent pas. Entre les fantômes. Tu l'as vu comme moi. Entre les fantômes. Alors Minas Sithil doit mener une guerre des deux côtés. Aïe! On va y jusqu'à lui. Un chef de guerre lui parle via un messager. On peut te montrer le messager. Regarde là-bas. Tu vois, la maîtresse des ténèbres, c'est petit. Un nid rempli de ses enfants. Réveille-les pour voir ce qu'ils font. Tu ne vas pas dans le bon sens.
Je voulais pas me faire repérer par les... les orques. Là, c'est le messager. Il faut le suivre pour atteindre son maître. Nous prenons le relais. Ne te fais pas voir, Gollum. En gros, va te faire voir, Gollum. Doogs, l'assassin. Hors de mon chemin, je suis en mission. Je vais voir le briseur d'hommes pour lui transmettre des informations importantes. Je viens de rencontrer le traître. J'étais pas sur ton chemin. Et si ta mission est si importante que ça, pourquoi tu perds ton temps? Exactement. Il fait que se mettre en avant. On en connaît des gens comme ça. Qui aiment se faire mousser. Je connais, monsieur. Allez. Il m'a demandé d'avoir une mission pour lui. T'as entendu ça? Hé! Faites place! Faites place! J'ai des nouvelles pour le chef de guerre. Je viens de croiser ce traître de Poros. Et il avait un message pour le chef. Tu fais mieux de la fermer. Le briseur d'hommes t'écorchera vif si tu continues à chacasser comme ça. Ouais. À de faire genre t'es son pote. Il a le pouvoir de la force. Combien de fois je vous l'ai répété, vous ne devez jamais parler du traître. Que ce misérable clope mort vous serve d'exemple à vous tous. La prochaine larve qui ose ne serait-ce que chuchoter le mot traître, je la désosse. Non, pas lui. Oh là 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 là. Que tu es là à cause du traître aux
Use the power of the bug addict hitbox. Oh. Ce tour, je suis trop vite. Je crois que c'est les escaliers qui ont une hitbox bloquée. Je peux sortir ? Je peux plus sortir ? Oh putain ! J'ai eu peur. C'est bien les escaliers qui ont une hitbox buggée. Bug power. Ok. Il était possédé par les Nazgûl. C'est l'œuvre du roi sorcier. Il nous nargue. Je dois récupérer mon anneau. Et tu l'auras. Un Nazgûl, c'est mais un avant roi ça, sorcier. Il faut s'occuper du traître à Minas City. Moins qu'un roi sorcier soit un Nazgûl. Talion, je cruel. Ce tueur rempli de fiel. Les orques les viscèrent. Et leur tête, ils la serrent. Leur cerveau, ils le cisaille. Leur visage, ils l'entaillent. Je crois qu'il aimait pas Talion. Il peut être utile. Gollum en roue libre, mais ouais.